Le barreau des Hauts-de-Seine compte 2400 avocats. Près de 1700 sont en effet dans des grandes structures et ont généralement des revenus plutôt élevés. Pour autant, ils n'en sont pas moins concernés et ils vont subir de la même façon le doublement de leur cotisation sur la première tranche de 40 000 euros. Ils vont également subir, comme tous les avocats, le taux déplafonné de 2,81% sur l'intégralité de leurs revenus et ce, même au-delà des fameux 3 passes, même au-delà de 120 000 euros. Taux déplafonné de 2,81% qui, rappelons-le, n'ouvre aucun droit. Donc oui, les cabinets, quelle que soit leur taille, sont mobilisés. Je rappellerai que le Conseil de l'Ordre du Barreau des Hauts-de-Seine, qui est composé de 15 représentants des grandes structures sur 24, a voté une motion contre la réforme des retraites et la disparition de la CNBF et pour la grève le 16 septembre prochain. Ainsi, le 16 septembre, sur le pavé parisien, parmi tous les avocats de France, je peux vous assurer que nombreux seront les avocats des Hauts-de-Seine, et ce, quelle que soit leur structure d'activité.